Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous allons reprendre notre séance plénière de ce vendredi 22 avril. Nous allons démarrer par notre traditionnelle séance de questions d'actualité. Alors, nous allons démarrer par la question de notre collègue Debats, mevrouw Debats, voor haar vraag aan de heer Vervoort betreffende maatregelen tegen schietpartijen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest in het licht van een recent geval. À laquelle est jointe la question du collègue Lotenstal, maatregelen ter bestrijding van wapengeweld in het Brusselse hoofdstedelijke gewest na een recent schietpartij. Et la question de notre collègue Vandenborg également jointe, strijd tegen bendengeweld in het Brusselse hoofdstedelijke gewest in het licht van recente schietpartijen. Mevrouw Debats, u hebt het woord. Oh, elle est là. Est-ce qu'on peut, faire silence, s'il vous plaît, pour que notre collègue puisse poser sa question? J'en profite pour rappeler les règles. 2 minutes question, 2 minutes réponse et 1 minute réplique. Mevrouw Debats, u hebt het woord. Ja, dankjewel, meneer De Voort, minister-president. Met de regelmaat van de klok worden we overvallen door berichten van schietincidenten. We herinneren ons allemaal, denk ik, het zware schietincident in Vorst in december. Maar meest recent, Molenbeek, Beekant, waar maandagavond een jongen van 20 jaar in zijn wagen werd neergeschoten. Het zou via verschillende bronnen gelinkt zijn aan afrekeningen binnen het drugsmilieu, maar daar is nog geen definitieve uitspraak over. Maar vaststaat wel dat dat soort schietincidenten toeneemt, daar lijkt het toch op, ofwel bericht de pers daar meer over, dat kan natuurlijk ook. Maar dus wil ik wel graag van u weten hoe die cijfers nu evolueren in Brussel. En dus vandaar de vraag, kan u schetsen hoeveel schietincidenten er dit jaar in de voorbije jaren waren in Brussel? Hoeveel dodelijke aflopen, hopelijk niet, maar in elk geval denk ik mensen ook zwaar gewond waren daardoor. En vooral, dat is natuurlijk de hamvraag denk ik, waar we allemaal wachten op het antwoord. Wat gaat u doen om die problematiek van toch wel zeer zware criminaliteit, van bendeoorlogen aan te pakken? Heeft u daar al een gewestelijke veiligheidsraad over bijeengebracht? Hoe gaat u dat aanpakken? Tot zover mijn vragen. Dank u, mevrouw Debats. Meneer Lotenstal. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister-voorzitter. Brussel wordt inderdaad de voorbije weken en maanden geteisterd door een stijgend aantal gevallen van wapengeweld. Eerst hebben we een golf gehad van gooien met molotovcocktails. Dan werden nietsvermoedende mensen met messen aangevallen. En sinds enige tijd vliegen de kogels in het centrum van Molenbeek in het rond. Met maar liefst 8 schietincidenten sinds het begin van dit schooljaar. Dat is er 1 per maand. Dat is toch wel enorm. Nu, Brussel is altijd meer dan gemiddeld geteisterd geweest door geweld, jammer genoeg. Dat is al decennia lang zo. Maar de dood van een jonge man maandag en het schietincident van maandag toont toch maar aan dat de escalatie eigenlijk totaal is en dat het tijd is dat er wordt ingegrepen. Ik zou dan ook willen vragen dat u maximaal uw veiligheidsbevoegdheden benut om paal en perk te stellen aan dit soort vormen van geweld. Mijn vragen zijn de volgende. 1. Wat heeft u gedaan om eventueel het veiligheidspreventie- en veiligheidsplan aan te passen aan de nieuwe situatie waarin we toch zijn terechtgekomen? 2. Aangezien die zaken zich in een bepaalde zone afspelen, in bepaalde wijken afspelen, wat zal er worden gedaan om u te concentreren, om alle ordendiensten zich te concentreren en die probleemwijken aan te pakken en juist daar te zien dat er een einde wordt gesteld aan het geweld, dat dikwijls gelieerd is inderdaad aan de drugproblematiek. En tenslotte heeft u of zal u alle veiligheidsactoren rond de tafel brengen ten einde een plan op te stellen
om er werk van te maken dat er een einde wordt gesteld aan deze spiraal van geweld waar we in zijn terechtgekomen. Dank u, meneer Lotens. Meneer Van den Borre. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Misschien een kleine side note. Ik vind het toch opvallend dat enkel Nederlandstalige partijen nu op deze dossier interpelleren. Ik vind dat toch eigenlijk een gewist belang dat de partijgrenzen zou overstijgen. Hè. Het is toch dramatisch, eerlijk gezegd, de feiten die zijn gebeurd deze week. Een jonge man die wordt neergeschoten in Molenbeek. Ik vind dat eigenlijk toch tot de hoogste urgentie moet oproepen, want de feiten zijn niet alleenstaand. Hè, er is een duidelijke tendens zichtbaar. Eén keer per maand in de afgelopen maanden hebben we het over zwaar schietgeweld in de straten van Brussel. En als we dan eventjes verder kijken, het is al begin 2020, heb ik u al geïnterpelleerd over uw eigen cijfers van het observatorium, die vaststellen dat wapengeweld, het trafiek van wapens, drugshandel en dergelijke meer, dat die allemaal in schrikwekkende tendensen stijgen, al die cijfers. Daarboven hebben we dus uw eigen burgemeester van de gemeente Molenbeek, Katrien Moreau, die in de pers signaleert dat ze zelf ook gealarmeerd is. Dat ze zelf vaststelt dat sinds de zomermaanden dat het geweld, en vaak ook drugsgeweld, zegt ze zelf... Het... Ja, daar kom ik bij. Daar kom ik bij, minister-president. Ik vind het opvallend, eerlijk gezegd. Ik vind het... Iedereen zijn eigen... Allez, on laisse terminer, monsieur Van den Borre, à qui il reste 30 secondes. Meneer de minister-president, laat het mij heel duidelijk stellen. Dat een burgemeester van uw eigen partij u eigenlijk overstijgt en rechtstreeks naar de minister van Binnenlandse Zaken gaat, vind ik toch onrustwekkend. Het geeft toch mij het signaal, de minister-president in Brussel, die veiligheidsbevoegdheden heeft, die is eigenlijk geen betrokken partij. Het heeft weinig nut dat ik hem consulteer hierover. Ik ga meteen naar de minister van Binnenlandse Zaken. Allee, stel uw vraag. Is... Dus minister-president, ik kom met mijn vragen. Tijd spreekt overschreden, meneer Van den Borre. Dat weet ik, maar ik ben onderbroken. Excuseer, meneer de voorzitter. Allee, on laisse poser la question au termine, parce que vous avez déjà dépassé. Heel kort. Oui, vous parlez au ministre-président, pas au ministre de l'Intérieur. Allez, terminez. U heeft de gewestelijke veiligheidsraad. Dat is een instrument. Heeft u dat ook al gebruikt? Heeft u daar een agenda om dit probleem aan te pakken? En ten tweede, u hebt ook instellingen zoals Brussel Preventie en Veiligheid. Heeft u deze problematiek ook hier aangekaart? Wat doet u aan het stijgende drugsgeweld en schietgeweld in de straten van Brussel? Dank u wel. Dank u, meneer Van den Borre. Meneer de voorzitter. Monsieur le président. Nee. Pour fait personnel, en tant que francophone, je voudrais réagir. C'est pas vraiment. Parce que c'est une attaque directe et purement populiste de partis de l'opposition. Mais non. Je comprends. Non, mais qu'ils interpellent, que Madame de Batte interpelle le ministre de l'Intérieur, qui, je pense, est assez proche politiquement de sa formation politique. Et qu'on interpelle le ministre de la Justice. Okay. Mais non, mais qu'on reste dans les compétences, c'est normal. J'ai essayé d'expliquer qu'on pose la question au ministre président. De l'Intérieur. D'accord, je comprends. Mais il n'est pas dans les us qu'on intervienne lors de questions d'actualité. Je propose que vous le fassiez durant votre réplique. Non, ce n'est pas un débat entre Madame de Batte et Monsieur Geysels. C'est des questions qui sont adressées à Monsieur le ministre-président. S'il vous plaît. Vous le ferez pendant votre réplique. Monsieur le ministre-président, vous avez la parole. Pour votre réponse. Et vous pouvez évidemment avoir vos notes puisque les questions vous sont posées dans une autre langue que votre langue maternelle. C'est ma langue maternelle ou ma langue paternelle. Dus in uw vragen verzoekt u om een reeks cijfers waarvoor, zoals u weet, het formaat van een dringende vraag in plenaire vergadering niet het meest geschikte is. Niettemin zal ik u de weinige cijfers geven die ik heb gekregen, waarbij ik meteen wil benadrukken dat de politiegegevens voor het jaar 2022 nog niet zijn gestabiliseerd. Voorts schijnt u met betrekking tot de gebeurtenissen die maandagavond in de omgeving van het station Beekant hebben plaatsgevonden, reeds te hebben geconcludeerd dat het om een afrekening in het drugsmilieu ging. Misschien heb ik het gemist, maar voor zover... Ik weet, heeft het parket van Brussel nog geen mededeling gedaan over deze zaak. Hoe dan ook, in strafzaken en zeker in dit stadium van de procedure, is het niet aan mij
om te communiceren. Dit is voorbehouden aan de gerechtelijke autoriteiten. Na het geven van deze verduidelijkingen zult u niet kunnen ontkennen dat ons gewest met de instrumenten en bevoegdheden waar het over beschikt, zeker antwoorden kan bieden, maar niet in zijn eentje alle problemen in verband met geweld en drugs op kan lossen. Het gaat immers om verschijnselen waarvan de oorzaken het grondgebied van ons gewest ver overschrijden en waarvoor politieke politie en gerechtelijke antwoorden niet uitsluiten op het niveau van Brussel kunnen worden gezocht. Dit betekent absoluut niet dat we werkloos toezien. Zoals u weet worden elk jaar aanzienlijke middelen vrijgemaakt voor onze politiezones, ten belopen van tientallen miljoenen euro. Er wordt ook ultramoderne apparatuur ter beschikking gesteld, zoals nergens anders in het land. Voorts kan ik niet nalaten te wijzen op dat de versterking van de lokale politie in Brussel ten behoeve van de federale gerechtelijke politie in het kader van de ontmanteling van de netwerken voor prostitutie, wapenhandel en drugshandel die door de operatie Sky ECC op het spoor is gekomen. Is het in het kader van de veiligheidsbevoegdheden die ons zijn toevertrouwd na de zesde staatshervorming nog nodig te wijzen op de talrijke preventieprojecten die in het kader van het GVPP zijn uitgevoerd en die tot doel hebben een antwoord te bieden op de uitdagingen van ons gewest, met name op het gebied van de strijd tegen drugsverslaving. Het plan ontwikkelt acties met concrete projecten, zoals het concept van risicobeperkende gebruiksruimte. Dit soort infrastructuur gelegen in het hart van wijken die bijzonder door het probleem worden getroffen, maakt het, zoals uit ervaring in het buitenland is gebleken, niet alleen mogelijk mensen in nood opnieuw in de samenleving te integreren, maar schept ook een perimeter waarbinnen de drugshandel de neiging vertoont uit te doven. Met het oog op de preventie van deze fenomenen omvat de BPPB, dus enerzijds de noodzaak om te zorgen voor een zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare ruimte met inbegrip van het openbaar vervoer en anderzijds de noodzaak om te bemiddelen bij conflicten tussen mensen of groepen mensen in de openbare ruimte. Dit gebeurt in de vorm van verschillende gesubsidieerde preventieprojecten die rechtstreeks betrekking hebben op de gemeente Molenbeek en tot doel hebben het veiligheidsgevoel in de wijk Beekant te verbeteren. Zo kunnen onder meer volgende projecten vermeld worden: organisatie van patrouilles in de openbaar vervoerinfrastructuur. Het doel van dit project is het gevoel van veiligheid in het openbaar vervoer en de omgeving er rond te vergroten. Het gaat erom een samenwerking tussen de verschillende partners in de veiligheids- en preventieketen tot stand te brengen, zodat de actoren in het veld in kunnen staan voor de dekking van de openbaar vervoersinfrastructuur in tijd en in ruimte en de plaatsen zodanig kunnen beveiligen dat de objectieve en subjectieve perceptie van veiligheid behouden blijft. Dit project beoogt de aanwezigheid van de gemeenschapswachten op het net van de MIVB en de lijn te versterken, voornamelijk bovengronds, en dus aan Altes en in de buurt ervan, en in of rond metrostations, waaronder Beekant. Deze punten zijn in de routes geïntegreerd en er vond een structurering van de samenwerking plaats om een betere uitwisseling met de multimodale en preventieagenten van de MIVB te garanderen. Microlokale diagnoses uitvoeren. De straathoekwerkers zijn niet gestopt met hun dagelijkse rondes. Bij deze rondes zal gefocust worden op de meest bezochte plaatsen. Met deze werking beoogt men in contact te komen met de verschillende publieken die in de openbare ruimte aanwezig zijn. En dus, ja, meneer Lotens, laten we in het licht van wat u hebt gezegd nu eens kijken naar de cijfers die door de politie zijn opgetekend. In het Brussels gewest is het aantal incidenten van fysiek geweld op de openbare weg dat in de gegevensbanken van de politie geregistreerd werd sinds 2018 alleen maar gedaald. In 3 jaar tijd is het vastgesteld dat op iets meer dan 12%. Er is dus geen bijzondere toename van dit soort feiten. Het is dan ook intellectueel bedrog om telkens weer met voorbeelden van ernstige incidenten te komen en om aan te tonen dat het gewest niets onderneemt of om het bestempelen als een wetteloze gebied. Ja, er zijn problemen, maar wij pakken ze aan met alle middelen die onze bevoegdheden ons bieden. Ik dank u. Dank u, meneer de minister-president. Mevrouw De Baat, voor een korte reactie misschien.
Ja, dankjewel. Ik wil de minister-president danken voor zijn antwoord. Ik besef natuurlijk dat de drugsproblematiek een zeer complexe zaak is, een internationaal gegeven ook. Twee, niemand zegt natuurlijk dat u dat alleen kan of moet oplossen. Ik besef ook wel dat de Brusselse regering dat in haar eentje niet aan kan. En de enige manier, denk ik, om vooruitgang te boeken in dit zeer kwalijk fenomeen is natuurlijk samenwerking. Hè. Dat is ook mijn pleidooi. Maar het begint natuurlijk wel met problemen te erkennen. In die zin, denk ik, zou het goed zijn dat iedereen, uzelf, maar ook uw partij, dat erkent, in plaats van altijd maar de paraplu proberen open te trekken en naar andere bevoegdheidsniveau te wijzen. Maar goed, ik wil nog een kleine voetnoot maken, want wat ik daarnet wou zeggen, meneer de voorzitter, is toen mijn collega volgens mij zeer terecht opmerkte dat het toch wel opmerkelijk was dat alleen Nederlandstalige collega's interpelleerden over dit feit, hoorde ik collega Cazier, die waarschijnlijk vergeten was dat de micro van zijn buurman, waarmee hij gezellig aan het keuvelen was in dit halfrond, hoorde ik hem zeggen, bah oui, c'est l'extrême droite. Ik wil u nog graag eens in herinnering brengen, beste collega, dat N-VA geen extreemrechtse partij is en dat mijn partij dat allerminst is. Président, je peux juste... Puisque je suis cité, oui, vous avez été cité. Oui, d'abord, pour dire à madame de Batz que peut-être que c'est intéressant de vérifier ses propos avant de dire n'importe quoi, puisque je n'ai rien dit, mais vous irez le vérifier par vous-même dans le compte-rendu en réécoutant la bande, ça me fera un plaisir. Et puis pour la seconde, madame de Batz, pour vous dire qu'il n'empêche, et nous l'avons déjà dit, que pour monsieur Lautenstalz, je pense que le débat sur la question de l'extrême droite n'est pas un débat, en tout cas pour mon groupe. Pour la NVA, nous avons dit tout ce que nous en pensons sur le fait que c'est un parti de droite extrême. Pour vous, madame de Batz, je n'ai jamais osé le dire et je ne l'ai pas dit. Pour le reste, je vous renvoie à vos propres propos. Meneer Lautenstalz. Ja, meneer de voorzitter, het was meneer Gijsels, denk ik, die ons meende te moeten verwijten dat we extreem recht zijn, omdat wij de veiligheidsproblematiek hier op de tafel gooien, op de agenda plaatsen. U mag mij daarvoor verwijten. Ik ben daar fier op. Ik ben daar fier op, want ik doe dat voor de Brusselaars. De Brusselaars zijn bekommerd om hun veiligheid, om op een fatsoenlijke manier te kunnen leven in deze stad. En ik ben daar fier op dat ik die problematiek hier aan de agenda en aan de dagorde plaats. Omgekeerd, het is uw partij, meneer Gijsels, die de ideale omstandigheden heeft gecreëerd om dit soort criminaliteit te laten getijen door uw wegkijkpolitiek okay. van de voorbije decennia. Nu, meneer de minister-voorzitter, u bent fier op een daling van de criminaliteit. U weet net zo goed als ik dat die volledig toe te schrijven is aan de COVID-pandemie. Ik stel alleen vast dat er alleen de voorbije 8 maanden al 8 schietincidenten zijn geweest in Molenbeek. Dat zijn dus toch wel bijzondere omstandigheden. En indien u van mening bent dat u geen bevoegdheid heeft, wat niet waar is, want u heeft een veiligheidsbevoegdheid, maar indien u meent dat het een federale bevoegdheid is, dan is het uw job, is het uw taak om de federale minister van Binnenlandse Zaken hierover te vatten. Maar zelfs dat is blijkbaar nog niet gebeurd. Oké. Meneer Van den Borgen. Ja, misschien kort eerst over de uitlatingen van de heer Cazier, die ik ten sterkste betreur. Ik kan het niet genoeg onderstrepen dat dergelijke uitlatingen gewoon totaal ongepast zijn en elk democratisch debat onmogelijk maken. Wanneer u tegenstrever, waar je het inhoudelijk niet mee akkoord bent, maar meteen in de hoek zit van het extremisme, dan ben je gewoon alle argumenten kwijt. En dan zet je zelf ook buitenspel. Dan heb je zelf geen enkele politieke relevantie meer als fractie als je gewoon weigert het fundamenteel debat aan te gaan met een democratische partij en die probeert in een hoek te plaatsen. Wil ik toch wel duidelijk gezegd hebben, meneer Cazier, dat ik dat zeer betreur dat u zo'n uitspraken doet. Wat de interventie van de minister-president betreft, ja, weinig nieuws onder de zon. Hè. Er is allemaal weinig gebeurd in Molenbeek. Het is niks nieuws in Brussel, hè. Het hoort bij een grootstad. We werken eraan, we zetten preventieadviseurs in, we zetten straathoekwerkers daarop. Minister-president, ik wil u toch wel op de ernst van de feiten wijzen. Hè. De ernst van de feiten, dat er op klaarlichte dag blijkbaar gewoon liquidaties gebeuren in de straten van Molenbeek. En dat dat niet eenmalig is, hè, maar dat dat een tendens is, en de feiten zijn er gewoon, dat de afgelopen weken, maanden, jaren, dit geweld enkel in stijgende lijn zit. En dat u als minister-president... Ja, sorry, maar wat is uw meerwaarde hier in deze in feite? Dat vraag ik me toch wel fundamenteel af.
Het incident is gesloten. Nous allons modifier l'ordre, et je remercie par avance M. Bowens. Nous allons passer à la question de Mme Bertrand, qui pour des raisons personnelles doit nous quitter. Et je remercie par avance M. Bowens. Et je remercie également Mme Tracht, qui a accepté de déplacer la question, de venir un peu plus tôt. Et donc je vais immédiatement céder la parole à Mme Bertrand. Et je remercie encore le collègue Bowens et la ministre Tracht. Mme Bertrand, vous avez la parole. On a changé l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre flexibilité. Merci aux collègues, merci à la secrétaire d'État. Voilà, Madame la secrétaire d'État, l'accord de gouvernement prévoit une stratégie de transition de l'économie régionale à l'échéance 2030. Dans ce cadre, seuls les modèles économiques qui seront bénéficiaires ou bénéfiques sur le plan social et environnemental pourront encore être dotés de soutien public. Et nous apprenions ce jeudi que vous avez présenté cette stratégie de transition régionale qui s'appelle Shifting Economy. Cette stratégie contient 224 mesures, dont certaines ont déjà été prises, notamment les domaines d'investissement chez Finance and Invest Brussels. Et donc l'idée, c'est de réorienter l'ensemble des aides économiques vers les entreprises qui seront jugées par le gouvernement comme étant exemplaires sur le plan environnemental et social, selon des critères déterminés par le gouvernement. Alors, s'il faut encourager et soutenir la transition écologique, bien entendu, nous avons une série de questions sur cette stratégie. Quels sont les critères que le gouvernement bruxellois a définis pour l'octroi des nouveaux soutiens? Quels sont les éléments qui sont ressortis de la concertation sociale ou de la concertation avec les secteurs? Quel accompagnement est-ce que le gouvernement prévoit pour les entreprises et pour les entrepreneurs dont l'activité ne ressort pas de ces critères? Comment seront-ils accompagnés pour ne laisser personne de côté? Je vous remercie. Merci Madame Bertrand. Madame Tracht. C'est pas si longtemps, voilà, ça y est. Et Madame Bertrand, pour votre question, nous avons effectivement hier, en compagnie de certains de mes collègues, présenter la stratégie régionale de transition économique en compagnie donc de certains de mes collègues, mais aussi de l'ensemble des administrations qui ont été impliquées dans la rédaction de cette stratégie, à savoir Bruxelles Environnement, Bruxelles Économie Emploi, Hub, Innoveris, Finance and Invest, CityDev. Donc l'objectif, c'est que je tends à démontrer en disant cela, c'est le caractère collectif, mais aussi durable de cette stratégie. Stratégie qui a été construite collectivement avec un ensemble d'administrations que je viens de citer, un ensemble de cabinets ministériels, mais aussi avec une série d'acteurs privés. Il y a eu des dizaines de groupes de travail, 132 organismes publics et privés, des fédérations professionnelles, les syndicats, etc., des universités qui y ont participé également. Plus de 280 personnes y ont participé de près ou de loin. C'était d'ailleurs, en dehors de ces participations-là, une priorité partagé avec Bru Partners, donc de manière formelle aussi, les interlocuteurs sociaux ont été impliqués dans la rédaction de cette stratégie qui s'inscrit également dans des objectifs de développement durable de l'ONU et de la Commission européenne. Alors c'est vrai que sur la question de financement, il y a les deux délais que vous avez cités, 2024, majoration des aides pour les entreprises qui s'inscrivent dans cette dynamique de transition, 2030, la réorientation des outils économiques. Notre objectif, c'est bien sûr que ce soit inclusif, c'est-à-dire que toutes les entreprises puissent s'inscrire dans ce type de stratégie, dans ce type de transition économique, qu'on puisse les accompagner. C'est la raison pour laquelle, sur les 244 mesures, il y a aussi des mesures d'accompagnement. Et ces mesures de réorientation des outils économiques et des outils de financement seront bien entendu discutées également avec les acteurs économiques, à travers les concertations traditionnelles, mais aussi par d'autres moyens. Elles seront aussi, pour certaines d'entre elles, discutées avec vous, puisque certaines d'entre elles relèvent de définitions qui sont dans des ordonnances. Voici ce que je pouvais vous répondre peut-être de manière un peu globale aujourd'hui. Alors, je suis consciente que ce n'est pas encore très, très concret, mais ce que je vous propose et ce que je vous offre aujourd'hui, c'est la stratégie complète. Ici, une première version papier. Elle sera évidemment diffusée aussi. Elle est disponible sur le web. Elle sera diffusée aussi, évidemment, à l'ensemble des membres de la Commission
Et je me réjouis d'avoir très prochainement Monsieur le Président de la Commission, qui est là également, un débat approfondi à ce sujet avec vous. Merci, Madame Tracht. Madame Bertrand. Merci, Madame la Secrétaire d'État, pour vos réponses et merci pour le cadeau que vous m'offrez aujourd'hui, que j'accepte avec grand plaisir. Je me réjouis d'avoir ces débats parce que ce sont des débats fondamentaux pour l'avenir de la région et vous savez à quel point l'économie régionale nous tient à cœur parce que nous pensons que l'économie est une solution et est aussi une solution à des tas de problèmes de la région bruxelloise, entre autres de la pauvreté, de l'emploi, etc. Nous serons particulièrement soucieux en tant que libéraux de nous assurer que aucune entreprise n'est laissée au bord du chemin dans cette stratégie et qu'elles seront accompagnées et que nous ne sanctionnerons pas celles qui aujourd'hui ne répondent pas à ces critères, mais qu'au contraire, celles-là seront accompagnées pour y arriver. Et donc, c'est une première question sur un débat que j'espère nous aurons plus largement dans les commissions et dans cet hémicycle, parce que c'est fondamental et croyez-nous bien que nous serons au rendez-vous pour en discuter de manière plus approfondie avec vous. Je vous remercie. Madame Bertrand, l'incident est clos. Nous passons à présent à la question de notre collègue Monsieur Bowens pour sa question adressée à Monsieur Marron relative à la décision d'un fournisseur d'énergie de ne plus racheter de certificats verts à ses clients bruxellois. Monsieur Bowens, vous avez la parole. Voilà, à mi-chemin d'une législature, Monsieur Bowens qui débarque ici à l'hémicycle avec une première question pour Monsieur Marron. merci beaucoup. Donc voilà, on a entendu Total déclarer qu'ils ont atteint le quota de racheter les certificats verts aux utilisateurs. Et donc, pour ceux qui nous suivent, les certificats verts, c'est quoi? C'est les certificats que les ménages reçoivent quand ils installent des panneaux solaires sur leur toit, et donc pour la production de l'énergie verte, qu'évidemment le PTB soutient. Et en vendant ces certificats verts, c'est les familles qui en fait essayent et qui vont amortir leur investissement. Donc Bruxelles confirme que et Total et Engie ont atteint le quota pour racheter les certificats verts. Donc ils n'auront dorénavant plus aucune obligation de racheter aux familles, aux ménages leurs certificats. Ce qui veut dire que les ménages sont maintenant dans l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer avec leur investissement. Et donc c'est un peu pareil qu'on a vécu en Wallonie il n'y a pas longtemps, donc c'est vu de cette crise des certificats verts. Et on sait en Belgique, quand il y a une crise, qui paye en général, c'est les consommateurs, c'est les travailleurs qui payent chaque crise. Ça, on sait. Et donc maintenant, il y a plusieurs scénarios qu'on pense qui sont possibles. C'est que d'un côté, vous augmentez les quotas des entreprises, les fournisseurs Total et Engie, mais avec le risque que, de ce qu'ils font déjà maintenant, c'est les répercuter sur les factures des gens, de tous les consommateurs d'énergie à Bruxelles, scénario 1. Ou un autre scénario, c'est que les gens peuvent se diriger vers Elia pour vendre là les certificats verts, et avec le même risque, c'est que Elia augmente aussi, comme ils le font déjà en Wallonie, ils augmentent leurs factures, et aussi avec un deuxième risque, c'est que la valeur du certificat chez Elia est assurée à un prix plus bas, ce qui veut dire que ceux qui ont installé les panneaux solaires vont avoir des problèmes pour amortir leur investissement. Et donc, j'ai deux questions à vous poser. C'est que d'un côté, quel mécanisme est-ce que vous prévoyez pour assurer les consommateurs d'énergie que ce n'est pas eux qui doivent payer des augmentations suite à une augmentation ou chez les fournisseurs ou chez Elia? Première question. Et puis deuxième, c'est quelle garantie ou quel mécanisme est-ce que vous prévoyez pour rééquilibrer ce marché de certificats verts et aussi pour assurer à ceux qui installent les panneaux n'ont pas des problèmes pour rembourser leurs prêts et pour amortir leur investissement? Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur Bowens. Et c'était donc votre première question. Maiden speech, je propose pour l'applaudir. Monsieur le ministre. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue parmi nous, parmi vous. Monsieur Bowens, alors on a des objectifs à rencontrer en termes de production d'énergie renouvelable au niveau de l'Europe d'ici 2030, couvrir à peu près un tiers de la consommation européenne d'énergie en renouvelable. Et ces objectifs-là, en fait, ils valent pour toute l'Europe, c'est-à-dire aussi pour la Belgique et pour Bruxelles. Vous le savez, il y a différents moyens de faire de l'énergie renouvelable, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, le photovoltaïque est un moyen privilégié. Le mécanisme de soutien s'appelle les certificats verts. Il est régi par un marché qui repose effectivement sur des quotas
le nombre de quotas que doivent acheter les fournisseurs, le nombre de quotas de certificats verts que doivent acheter les fournisseurs, en fait, il est déterminé par le gouvernement, mais le gouvernement a toujours suivi, toujours, les propositions de Bruxelles. C'est Bruxelles qui analyse le marché, y compris les certificats verts, et qui dit, ben voilà le quota qu'il faudrait demander aux fournisseurs d'acheter. On a toujours, je dis bien toujours, suivi Bruxelles. Alors, suite aux informations parues dans la presse ces dernières semaines, on retourne vers Bruxelles, leur demandant de bel et bien confirmer leur quota pour être sûr qu'ils soient sûrs de leurs chiffres. Tiens, ceci dit, à rassurer tout le monde, il y a moyen de vendre ces certificats verts. Une entreprise ne les achète plus, mais toutes les autres le font, et vous pouvez le vendre, y compris à des fournisseurs qui ne vendent pas d'électricité à Bruxelles, mais qui sont agréés. Donc il y a des entreprises qui achètent des certificats verts bruxellois, même s'ils ne vendent pas d'électricité sur Bruxelles. Et par ailleurs, vous avez 5 ans pour vendre vos certificats verts, donc rien n'est perdu pour personne. Les certificats verts, ça représente 1% du coût de la facture d'électricité à Bruxelles, 1%, 0% de la facture de gaz. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les augmentations dramatiques des prix de l'énergie que tout le monde subit ces derniers temps découlent d'une quelconque manière des certificats verts. Franchement, 1% de la facture d'électricité, 0 de la facture de gaz. Pour le reste, on est attentif à ce que cette politique soit aussi sociale. Les panneaux photovoltaïques et l'énergie renouvelable, ça permet de diminuer les coûts énergétiques pour tout le monde, notamment via les mécanismes de communauté d'énergie, qui s'assure que cette politique soit une politique qui soit aussi bien environnementale que de justice sociale, et on continuera dans cette direction. Merci, Monsieur Marron. Monsieur Boens, pour une courte réplique. Merci, Monsieur Marron. Donc, de toute façon, ce que j'entends pas vous dire, et ce qui est quand même inquiétant, ou ce que je vous entends dire, c'est « Ah oui, mais en fait, ce que les gens doivent payer pour l'énergie verte, c'est pas beaucoup ». Mais donc moi, ce que j'entends autre chose, c'est que ce matin, aux manifestations syndicales qu'il y avait dans les rues, c'est justement le contraire, c'est que les gens disent « nos factures sont trop élevées ». Et donc, ce coût pour l'énergie verte que vous dites qui est ridicule représente pour beaucoup de gens, pour beaucoup de ménages, une grande somme. Et donc, tout le discours de dire, en fait, les augmentations et le fait que les gens doivent payer plus, c'est pas beaucoup, ça compte peut-être pour vous, ça compte peut-être pour d'autres personnes, mais pas pour la majorité des gens à Bruxelles. Ça, c'est une chose. J'ai pas dit que ce serait plus, j'ai dit que c'était 1%. 1%, 0%. C'est 1% et 0%, et puis autre chose, ni plus ni moins. Et puis autre chose, ce que vous n'entendez pas dire, c'est que vous dites, la politique doit être sociale, mais une vraie politique sociale, selon nous, selon le PTB, c'est une politique sociale qui dit aussi que c'est les grandes entreprises qui doivent contribuer. Et ce n'est pas uniquement « ah oui, oui, oui », et c'est à tout le niveau du gouvernement, monsieur, mais on n'entend jamais dire, on entend dire « ah oui, mais c'est 1% pour le citoyen okay. ». Mais entre-temps, on ne parle monsieur pas Bowen. De… Engie a fait 1 milliard de surbénéfices. Total a fait 14 milliards de okay. bénéfices. Et de ça, je n'entends pas parler, monsieur Marron. Et pendant ce temps-là, alors c'est 1%. Le temps. Merci, monsieur. Franchement, sur une minute de réponse à une question d'actu, je ne peux pas vous faire un cours sur le marché de l'électricité. Mais par contre, sur tout ce qui est bénéfices indus qui découlent de la crise d'énergie, je suis d'accord avec vous. Il faut aller capter les plus-values excédentaires qui sont indues de cette crise d'énergie parce qu'effectivement, il y a des gens qui gagnent et qui gagnent de trop par rapport à ce que tout le monde doit payer en plus. Allez, l'incident est clos. Nous passons à présent à la question de notre collègue Parmentier pour sa question adressée à M. Claire Failly relative aux mesures de soutien aux refuges pour animaux actuellement saturés en région de Bruxelles-Capitale. Madame Parmentier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre. Donc, on a connu pendant le confinement une augmentation des adoptions d'animaux. Et malheureusement, après le confinement et le retour au télétravail, un afflux d'animaux abandonnés dans les refuges. Et un article est paru cette semaine où plusieurs refuges signalaient qu'ils étaient complètement débordés. Alors, mes questions sont les suivantes. Est-ce que vous avez un monitoring précis des entrées dans les refuges? Certains disent qu'ils ont même des listes d'attente de personnes qui souhaitent déposer leur animal en refuge et ils n'ont plus de place. Est-ce que ce monitoring est annuel ou aussi au cours de l'année? Et la situation actuelle avec cet afflux d'animaux, est-ce que c'est seulement une variation saisonnière liée au printemps et à l'arrivée des nichées du printemps? Ou bien est-ce qu'il y a une réelle augmentation qui est due à d'autres phénomènes? Je voudrais aussi savoir si vous prenez des mesures particulières quand vous recevez ce type d'appel au secours, parce que plus d'animaux, ça veut dire plus de frais, de vaccins, de nourriture, éventuellement d'engagement de personnel supplémentaire.
Et donc, avez-vous les moyens ou des moyens pour les aider pendant ces périodes de crise? Et puis, anticiper les vacances, puisque malheureusement, on le sait, les vacances sont aussi une période où les abandons augmentent et que cette année, croisons les doigts, sera probablement la première période de grandes vacances où on pourra de nouveau partir sans trop de contraintes à l'étranger. Mais donc, malheureusement, ça risque aussi de se traduire par une augmentation des animaux qui arrivent dans les refuges. Je vous remercie. Merci, Madame Parmentier. Monsieur Clerfaillie. Voilà, Madame Parmentier, j'ai également pris connaissance de cet article dans Bruse. Mon administration, Bruxelles Environnement et mon cabinet sont en contact régulier avec les refuges et on échange beaucoup sur une série de problématiques, notamment la nécessité de prévoir plus de stérilisation des chats ou les problèmes de comportement de certains chiens qui amènent les gens à s'en débarrasser en les ramenant dans les refuges. C'est pour ça que ce sont des sujets qui sont mis dans le label commune amis des animaux, pour qu'il y ait des subsides, pour que les communes donnent des primes pour la stérilisation des chats ou une nouvelle prime de visite chez le vétérinaire pour quelqu'un qui adopte ou prend en charge un nouvel animal. Je n'ai pas de statistiques régulières, ou en tout cas rapides, sur l'état de saturation de l'ensemble des refuges, qui n'indique pas que certains témoignages témoignent de problèmes dans certains refuges. Nous n'avons ces informations qu'avec retard, au bout d'un an et demi, mais peut-être pourrions-nous organiser un système plus systématique de collecte de ces informations. Il y a aussi une variation dans l'année, il y a des périodes de pic d'abandon, et l'été en est un, c'est pour ça qu'une campagne de communication est prévue encore avant l'été. Et vous m'interrogez enfin pour savoir s'il y a des moyens budgétaires qui sont garantis à ces refuges. Ce gouvernement-ci est le premier qui a donné des moyens budgétaires aux refuges. Il y a maintenant un appel à projet et les refuges peuvent donner jusqu'à 7 000 euros par an pour l'ensemble de leur activité. Et donc j'espère que ces refuges en difficulté feront appel à ces moyens régionaux. Merci, Monsieur le ministre. Madame Parmentier, pour une petite réaction. Oui, ben merci pour cette réponse. Oui, ma question portait plutôt pour un subside d'urgence, entre guillemets, si on observe un afflux qui n'était pas prévu. Et donc voilà, je m'inquiète quand même de la situation des refuges, parce que s'ils sont déjà saturés maintenant au mois d'avril et qu'on attend la vague d'abandon de l'été, ben voilà, il y a peut-être quand même une anticipation à faire. Et enfin, oui, je vous rejoins évidemment sur la nécessité de stérilisation, etc. Mais je vous avais déjà interrogé, et c'est relevé aussi dans cet article, que souvent les abandons sont liés à une méconnaissance des besoins, en particulier pour les chiens, liés à la race de chiens concernés, quand ce n'est pas un zinequeux, évidemment. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire et qui, je pense, n'est pas présent, sauf, comme vous le dites, peut-être dans certaines communes, mais vraiment de sensibilisation avant que les gens n'adopte un chien sur les besoins particuliers de la race qu'il souhaite et être sûr qu'il puisse apporter ce dont ce chien a besoin pour éviter des abandons qui sont douloureux pour l'animal et parfois même pour le maître qui doit abandonner son animal. Je vous remercie. Merci Madame Parmentier. L'incident est clos. Nous passons à présent à la question de notre collègue Gladys Casady pour sa question adressée à Monsieur Marron relative aux éventuelles consignes bruxelloises sur les canettes et les bouteilles en plastique à la lumière d'une récente annonce du gouvernement wallon. Madame Casady, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, les Bruxellois respectent de moins en moins les règles en matière de collecte de déchets. C'était en tout cas le titre qui était donné dans un article de presse qui est paru cette semaine. Parallèlement à cela, votre homologue wallonne, Madame la Ministre Tellier, a annoncé le lancement d'une étude sur la consigne. Il semblerait également que le comité interrégional de l'emballage ait abordé la question de la consigne. Alors, Monsieur le Ministre, la Wallonie avance, les directives européennes l'encouragent, la déclaration de politique générale l'annonce, les résultats en termes de tri des déchets montrent des lacunes évidentes. La première question est claire. Qu'attendez-vous, Monsieur le Ministre, et je vous pose la question depuis un certain temps maintenant, pour pouvoir avancer clairement sur ce dossier? Alors, complémentairement à cela, je voudrais savoir quels sont les contacts qui ont été pris récemment avec les autres régions concernant les projets autour de la consigne. Madame Tellier a annoncé en plénière qu'elle avait invité Bruxelles à participer au comité de pilotage de l'étude sur les consignes wallonnes, enfin l'étude wallonne sur la consigne. Alors j'aimerais savoir ce qu'il en était et quel serait le rôle que vous auriez par rapport à cela. J'aimerais également une réponse claire sur la position de Bruxelles. Est-ce que oui ou non vous allez pousser pour l'instauration d'une consigne dans le courant de cette législature? Et enfin, j'aimerais savoir comment est-ce que vous expliquez le fait que malgré les efforts qui sont pris
par le gouvernement, les Bruxellois restent encore des mauvais élèves en termes de tri des déchets. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un problème structurel qui pourrait en partie être réglé par la consigne? Je vous remercie pour les éléments de réponse que vous pourrez me... Merci Madame Casady. J'invite à présent Monsieur Marron pour la réponse. Merci Madame Casady pour votre question. Alors, est-ce que la consigne c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée? C'est vraiment ça l'enjeu du débat, parce qu'en soi tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut augmenter le nombre de déchets triés et diminuer le nombre des déchets à la source. N'oublions pas cet objectif-là non plus. Et améliorer la propreté publique dans les rues et aussi dans les campagnes, pour ce qui concerne la Wallonie, ou dans les parcs pour Bruxelles. Donc la région Wallonne a décidé de lancer cette étude ouverte. Bruxelles participe au comité pilotage de l'étude. Donc il y a eu effectivement des discussions entre nos cabinets respectifs, Madame Tellier et moi, par rapport à cette étude et l'implication de Bruxelles, la participation de Bruxelles à l'étude. On verra quels sont les résultats, en fait. Des résultats en termes de propreté publique, attendus, hein, en termes de propreté publique, en termes de gestion des déchets, en termes économiques, etc., etc. En termes de praticabilité aussi, et de ce que ça signifierait au niveau de sa mise en place. Moi, très franchement, je n'ai pas de prévention particulière par rapport à la consigne. Je ne préjuge pas du fait que ce soit une fausse bonne idée ou une bonne idée. Je n'en préjuge pas. J'attends de voir les résultats des études. Je constate qu'à l'étranger, il y a des expériences qui vont en sens divers, avec parfois des résultats plus ou moins positifs et parfois des résultats qui ne le sont pas. Je pense donc qu'il faut qu'on soit prudent par rapport à cela. Le cas échéant, si tous les feux devenaient au vert et que l'ensemble des actrices et des acteurs souhaitaient aller dans cette direction en Wallonie comme à Bruxelles, on pourrait, le cas échéant, y aller. Mais ne préjugeons pas du résultat de cette étude. On verra bien ce que l'étude conclura. Et du reste, la consigne n'est pas dans l'accord de majorité bruxellois à ce stade. Néanmoins, voyons les résultats de l'étude. En attendant, c'est pour ça qu'il y a un article de presse, l'agence Bruxelles Propreté continue son travail de sensibilisation pour faire en sorte que les Bruxelloises et les Bruxellois comprennent bien l'intérêt du tri. Ce sera amplifié dans les prochains mois, puisqu'on va devoir aussi fortement amplifier le tri organique qui deviendra obligatoire avant la fin de cette législature. Merci, Monsieur Marron. Madame Casady. Oui, alors je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Je veux juste revenir parce que sur votre déclaration de politique générale, et je cite, il est marqué « Le gouvernement prendra l'initiative en vue de l'instauration d'un système de consigne pour les canettes et bouteilles en plastique ». Alors premièrement, ce qu'on peut déjà constater, que ce n'est clairement pas le gouvernement bruxellois qui a pris l'initiative, et bien le gouvernement wallon. Donc on est déjà face ici à une promesse non tenue de votre gouvernement. Ensuite, deuxièmement, je voudrais vraiment m'assurer qu'au sein de ce comité de pilotage, on ne soit pas juste invité autour de la table, que Bruxelles vraiment soit proactif dans le processus qui sera lancé. En tout cas, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'ici, ce n'est pas juste une invitation de la Wallonie pour que vous vous asseyez et que vous écoutiez ce qui se passe, mais que vous soyez vraiment proactive dans le processus? Je vous remercie. Merci, Madame Casady. L'incident est clos. Nu de beurt aan collega Van Achtervoor haar vraag aan de heer Vervoort betreffende gedeeltelijke schorsing door het grondwettelijke hof van de afwijkende overgangsregeling in zaken de diensten... Ah, j'ai oublié, Madame Potier. Je m'excuse. Pardon aux deux. Je fais un petit pas en arrière et pas de côté. Et nous revenons à Madame Potier. Je m'excuse. J'ai passé la ligne. Madame Potier, pour sa question à Madame Vandenbrand et Monsieur Gatz, relative au récent avis de la Commission régionale de la mobilité sur le financement du projet du métro Nord. Encore toutes mes excuses, Madame Potier. Et merci, Monsieur Andichy, de me l'avoir rappelé. Pas de souci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, c'est une question à 2,3 milliards d'euros, avec déjà, malheureusement et bien malgré vous, un dérapage budgétaire de l'ordre de 600 millions. Le budget du projet d'extension du métro a en effet déjà augmenté de 27% et la pérennité du financement, vous l'avez déclaré vous-même dans la Libre le 12 mars, au-delà de 2025, n'est pas garantie. Mardi 19 avril, plusieurs personnalités du monde académique se sont mobilisées dans la presse pour demander au gouvernement bruxellois de changer de cap et de renoncer au deuxième tronçon du métro Nord. Selon eux, en effet, le ratio coût-bénéfice du projet n'est pas garanti. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes.
depuis la prise de conscience de ce dérapage budgétaire, quelles démarches avez-vous pu entreprendre afin de boucler le budget de ce projet? Avez-vous eu des contacts avec Madame Lalieu, ministre fédérale en charge de Belliris, à propos de l'élargissement de l'enveloppe de Belliris, puisque vous aviez proposé vous-même de prendre les 125 millions d'euros annuels et de consacrer à ce projet? Quels sont les critères d'obtention d'un éventuel prêt auprès de la Banque européenne d'investissement? Et enfin, quelle est la position du gouvernement bruxellois quant aux remarques de la Cour des comptes relatives au risque d'emballement de la dette régionale? Je vous remercie. Merci, Madame Potier. Monsieur le ministre. Merci tout d'abord pour la question. Alors, je vais répondre précisément à vos quatre questions. L'instrument principal reste naturellement notre budget pluriannuel et celui de la STIP, son PPI, qui est naturellement intégré dans le budget pluriannuel de la région. Bien sûr, le budget pluriannuel porte sur cette législature-ci. Nous l'étendons chaque année avec une année de plus. Mais politiquement, bien que nous allons faire tout le possible pour mettre le financement pluriannuel en ordre, ce sera aussi au nouveau gouvernement de voir comment il prend les décisions politiques qu'il prendra. Ça, c'est un élément. Je vous dis que pour les années 22, 23, 24 et 25, tout est planifié et tout est financièrement également en ordre. Le pic, pour le moment prévu pour ces investissements métro, viendra surtout en 26 et 27. Alors, vos deux questions sur Belliris et la Banque européenne d'investissement. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, je le répète, il faut commencer le débat sur les investissements stratégiques à partir de 25. Donc, ce ne sont pas uniquement les investissements métro, c'est l'enveloppe de 500 millions au-delà hein, ou parallèlement avec le budget existant qu'il faut essayer de dompter, de remettre dans la boîte en phasage ou en une fois. Ça, on verra naturellement à partir de 24-25. Et alors, nous ferons également le tri, si je puis le dire, entre les investissements qui vont directement à la ligne métro 3 et les autres investissements pour la mobilité qui sont parfois liés au métro, mais qui sont parfois également liés à d'autres choix de mobilité de ce gouvernement. Belliris, je suis en permanence en contact avec ma collègue Lalieu. Belliris pourra certainement aider à combler ou boucler plutôt le financement, mais naturellement, nous pouvons, en tant que gouvernement bruxellois, demander plus d'investissements de Belliris, ce que nous ferons probablement, mais nous sommes toujours à deux pour négocier. It takes two to tango. Et puis, il faut également voir à partir de 25 si une plus grande partie, maintenant c'est donc 50 millions sur la tranche totale de 125 millions, dans cette enveloppe totale pourrait être attribuée au métro. Okay. À voir. Alors, la Banque d'investissement européenne, très important, nous aurons normalement en automne, en étroit dialogue avec Mme Van den Brandt, un appui supplémentaire, mais ça reste un prêt, bien sûr, qui nous sera attribué par la Commission européenne. Donc ça est tout à fait envisageable. Et important, Monsieur le Président, ces prêts sont surtout accordés à des grands investissements qui sont bien pour le climat et bien pour la croissance économique, je tiens à le souligner. Pour la Cour des comptes, dernière question, je vous renvoie à la note de notre agence de la dette, qui est très claire à cet égard. La dette est soutenable et naturellement nous devrons prendre les décisions à partir de 24-25 où je vous ai donné la méthodologie. Ceci dit, et je termine, le gouvernement a bel et bien l'intention de continuer ce projet très important pour la région avec ambition, avec réalisme, avec créativité et surtout avec persistance. Monsieur le ministre, Madame Potier. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Mais en fait, je constate et je déplore que
In fine, le gouvernement renvoie la patate chaude du financement de ce projet au gouvernement suivant. Je crains que ce choix en faveur du métro hypothèque les autres politiques de mobilité, en particulier en surface. On sait tous ce qu'il en est au niveau de... Voilà, finalement, on enterre l'argent de Bel'Iris qui vise pourtant, en principe, à améliorer la qualité de vie. Et pour ce qui concerne l'emprunt, donc la multiplication des emprunts porte quand même un risque sur la dette régionale. Et vous l'avez dit vous-même dans la presse mi-mars, la dette, l'Université de Namur annonce une dette de 15 milliards d'euros en 2026, soit trois fois le revenu annuel. Et je partage l'analyse que vous avez faite dans la presse. Pour rendre notre position crédible dans le cadre de la réforme de l'État, il faudra aussi mettre de l'ordre chez nous. Ok. Sinon, cela ne va pas bien se terminer et je ne voudrais pas que la région arrive en slip aux négociations institutionnelles. L'incident est clos. Alors, nous passons à présent aux trois questions jointes. Tout d'abord, de Vraag van Mevrouw van Achter. Gedeeltelijke schorsing door het grondwettelijke hof van de afwijkende overgangsregeling inzake de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. Ensuite, celle de monsieur Debock, également relative aux mesures envisagées à la suite du récent arrêt de la Cour constitutionnelle. Et celle de notre collègue David Wetsman sur la mise en œuvre du récent arrêt de la Cour constitutionnelle. Mevrouw van Achter, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte minister-president, het grondwettelijk hof heeft u eigenlijk teruggefloten voor ongeoorloofde discriminatie. Discriminatie van chauffeurs die eigenlijk willen werken, die een vergunningsaanvraag hebben ingediend om te werken voor een platform, Uber, Eats, en wiens dossier sinds geruime tijd op uw bureau ligt. U heeft mij in begin februari laten weten, het zijn 143 zo'n vergunningsaanvragen die op uw bureau liggen. Die chauffeurs willen eigenlijk gewoon een beroep uitoefenen en wachten op hun vergunningsaanvraag. Nu, de Raad van State had al gezegd dat wat we in onze noodordonantie of de meerderheid in haar noodordonantie had ingeschreven, dat dat mogelijk discriminatoir ging zijn. En het grondwettelijk hof heeft dat nu bevestigd. Dus mijn vraag is heel duidelijk aan u, meneer de minister-president. Wat gaat u nu doen met die chauffeurs? Gaat u nu hun vergunningsaanvraag goedkeuren en niet langer discrimineren? En hen dus ja, hun vergunning geven, zodat ze aan de slag kunnen? Wat is uw plan van aanpak en over hoeveel dossiers gaat dat nu? Dank u wel alvast voor uw antwoord. Dank u, collega Van Achter. Monsieur Debock. La Cour d'appel de Bruxelles, le 23 novembre 2021, à la suite d'un arrêt qu'elle avait émis, Uber a décidé de rendre sa plateforme UberX inaccessible aux titulaires d'une autorisation d'LVC. Et c'est à la suite de cela que le Parlement bruxellois, notre Parlement bruxellois, avait à ce moment-là veillé dans l'urgence. Oui, j'ai vu. C'est assez perturbant. Et le pire, c'est que tout est filmé en plus. Mais donc, le Parlement bruxellois, dans l'urgence, vous vous souviendrez, avait pris cette fameuse... Bon, un peu de sérieux, s'il vous plaît. En plus, ce n'est pas ma matière de prédilection. Donc... Oui, exactement. Mais j'allais y venir. Alors, merci pour votre bienveillance. Et puis, en fait, à zéro, il va m'enlever la parole. Bien essayé. Je recommence. Non, je recommence pas. Je continue. Donc, le Parlement bruxellois avait adopté cette fameuse ordonnance Paradra. Et pour le coup, vous vous souviendrez que cette fameuse date butoir du 15 janvier 2021 avait fait l'objet d'une partie de nos débats. Et pour le coup, vous vous souviendrez également que M. Lohenstein, mon collègue, avait spécifié que c'était un choix, c'était le fruit d'un compromis, évidemment, que c'était une ordonnance qui n'était pas parfaite. Et souvenez-vous, le Conseil d'État, et je rectifie peut-être les propos de ma collègue, n'avait pas dit que c'était illégal, il avait juste dit qu'il fallait mieux justifier si on prenait la date du 15 janvier, en tout cas que c'est... Exactement. Voilà. Vous avez raison. Parce qu'en fait, ce que dit la Cour constitutionnelle,
si on avait suivi le raisonnement du le Conseil d'État avait dit que ce serait peut-être mieux de prendre la date la plus, la plus proche plutôt que la plus lointaine. Et si vous prenez la plus lointaine, il faut le justifier. En toute hypothèse, on aurait pris la plus proche. Normalement, en toute logique, la Cour constitutionnelle aurait également suspendu. Je pense, mais bon, voilà. Voilà, mais donc... C'est Monsieur Debocq terminé, éventuellement. Ce serait peut-être bien que vous puissiez poser votre question, enfin, si vous le souhaitez. Hein, moi, je dis ça, je dis rien. Interactif. Et c'est toujours plus intelligent, me semble-t-il, d'avoir des débats interactifs, parce que finalement, on fait les questions et les réponses ensemble. Mais pour le coup, effectivement, mes questions sont très simples. Est-ce que vous avez pris connaissance de cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Est-ce que vous allez, est-ce que cela va avoir une incidence, évidemment, sur les autorisations LVC qui sont en attente? En réalité, il y en a un certain nombre. J'aurais voulu savoir combien il y en a. Et je pense que ce qui est important également, c'est de réparer l'erreur collective, parce que moi, je pense qu'ici, on peut se réjouir quelque part que la Cour constitutionnelle nous ait donné tort, et je le dis en tant que législateur. C'est utile de le reconnaître aussi auprès de celles et ceux qui en ont été victimes et qui ont été cherchés devant la Cour constitutionnelle ce droit. Et enfin, est-ce que vous pourrez, par la réparation de cette erreur, peut-être nous dire, en tout cas, l'accélération des délais et de faire en sorte que ceux-ci puissent, dans le temps imparti, avoir très vite cette confirmation d'autorisation. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Merci, Monsieur Debocq. J'invite à présent notre collègue David Weitzman. Je peux vous applaudir, Monsieur Debocq. Juste peut-être, il doit te rappeler un peu l'histoire quand même, Monsieur le Ministre-Président, parce qu'on en est là quand même. Mais je vous remercie, voilà, on en est là quand même parce que ça fait 7 ans que nous attendons, que les Bruxellois attendent cette réforme du transport rémunéré de personnes. Par nous, effectivement, je pense d'abord aux taximens, mais je pense aussi aux chauffeurs LVC et évidemment aux clients. Et reconnaissez que depuis que je suis dans cet hémicycle, je défends un point de vue, un principe certes libéral, mais assez simple, même droit, même obligation pour tout le monde, avec une vraie obsession, c'est celle de soutenir l'intégralité du secteur, renforcer, le booster et nous assurer que ce secteur devienne un vrai pilier de la mobilité, en complément d'ailleurs à la STIB. Reconnaissez aussi que peut-être pas vous, mais votre parti, d'ailleurs appuyé par Écolo, a toujours eu défendu la logique d'un clan, celle du protectionnisme. Et d'ailleurs, ce clan et le protectionniste a été, comme ça a été rappelé à juste titre, poussé à son paroxysme quand on a commencé à discuter effectivement de cette dernière ordonnance, parce que cette condition discriminatoire ne touchait pas que la question du 15 janvier, mais souvenez-vous, vous avez essayé d'exclure d'abord tous les indépendants complémentaires en fixant cette obligation qui est complètement folle de devoir travailler plus de 20 heures. Puis vous avez vous-même, contre d'ailleurs l'avis et l'interprétation d'une grande partie des parlementaires qui siègent dans l'opposition ou dans la majorité, décidé d'exclure 1000 indépendants. Et en plus, ce qui était particulièrement vicié, oui, 1000, puisque ce sont tous ceux qui ont des licences wallonnes ou flamandes, qui ne disposent pas de licences bruxelloises. Et c'est particulièrement intéressant parce que dans le texte même, vous vous étiez arrangé, effectivement, pour fixer cette date du 15 janvier, de telle sorte que celles et ceux qui auraient quand même souhaité se conformer à ces nouvelles exigences ne pouvaient finalement pas le faire. La boucle était bouclée et vous arriviez, ceci dit, à exclure une grande partie du secteur. Ils étaient démotivés, certes, une partie sont tombés en faillite, c'est probablement ce que vous souhaitiez, mais ils ont quand même eu le courage d'introduire un recours. La Cour constitutionnelle, effectivement, leur a donné raison. La Cour constitutionnelle suspend, effectivement, cette disposition et j'ai deux questions qui vont bien plus loin que mes collègues. Allez, posez-les vite parce qu'il reste 5 secondes. Je vais y aller, Monsieur le Président, mais si vous me coupez, on va perdre du temps. La première, c'est concrètement, est-ce que vous allez... vous m'avez perturbé. Est-ce que vous allez attribuer, pardon... est-ce que vous allez attribuer le plus rapidement possible à ces chauffeurs leur licence? Est-ce qu'on peut encourager aussi tous les chauffeurs qui ont attendu et qui n'ont pas osé introduire la licence à le faire? Et est-ce que vous allez... Ce sont des chauffeurs qui ont été discriminés, des indépendants lésés. Est-ce que vous allez avoir un mécanisme de compensation? Ça me semblerait logique. Je vous remercie. Aujourd'hui, ils sont en forme. Mais vous avez vu, vous avez été applaudi, hein, par vos collègues, enfin certains de vos collègues. Monsieur le ministre-président, oui, c'est déjà à vous. Voilà. Alors oui, j'ai pris connaissance de la décision rendue par la Cour constitutionnelle hier. Alors, la Cour constitutionnelle suspend dans l'article 34 bis, premièrement, de l'ordonnance du 27 avril 1995, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de l'ordonnance du 10 décembre 21, les mots
délivré sur la base d'une demande adressée à l'administration au plus tard le 15 janvier 2021. Et comme je le disais, on peut penser que ça aurait eu le même sort si ça avait été novembre. Je peux penser, mais bon, c'est quand même très... faire de l'interprétation sur de l'interprétation. Mais donc, ça signifie donc que l'ordonnance bénéficiera à tous les titulaires d'une autorisation Bruxelles-LVC, quelle que soit la date de délivrance de leur dossier. Ils devront évidemment satisfaire aux conditions d'accès et d'exploitation de l'ordonnance du 27 avril 1995, qui cela demeure et s'applique à tout le monde. Le régime dérogatoire transitoire mis en place par cette ordonnance n'est pas suspendu pour le surplus et reste donc intégralement applicable. La Cour n'ayant suspendu qu'un morceau de phrase de l'article 34 bis que l'ordonnance a inséré dans l'ordonnance de 1995. Et donc, Dankzij die tariskunde ouders van vergunningen die na 15 januari afgegeven zijn, dus VVC-exploitant worden, om chauffeur te mogen zijn, moeten zij beschikken over het bekwaamheidsattest dat vereist is om de activiteit van chauffeur uit te oefenen. En donc, pour rappel, cette décision concerne ces dossiers-là qui ont été introduits. Et donc, le nombre, c'est 140 dossiers, en fait, puisque les autres autorisations ont été délivrées entre-temps. Il y a donc aujourd'hui 140 dossiers en attente. En ik heb dus mijn administratie gevraagd het arrest en de gevolgen ervan te analyseren, alvorens snel een beslissing te nemen, maar de schorsing wordt van kracht op de dag van de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad. Et donc, aucune, évidemment, indemnisation ne peut être octroyée au cordier d'exploitant. Et alors, pour ce qui est de l'évolution du dossier, le projet d'ordonnance est revenu de la section de législation du Conseil d'État, avec relativement peu de remarques en réalité. Donc, les grands principes sont validés et devraient pouvoir être approuvés assez prochainement et vous sera présenté, j'allais dire, dans les semaines qui viennent. On est dans le calendrier tel qu'annoncé au moment du dépôt et du vote de l'ordonnance dite Sparadrap. Donc ça, c'est plutôt l'élément positif, c'est que le dossier avance de manière positive. Mais donc voilà, 140 dossiers, donc on va voir comment on met ça en œuvre. Mais donc on appliquera évidemment, nous vivons dans un état de droit, donc nous appliquerons les conséquences de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà, monsieur le président. Merci, monsieur Vervoort. Merci, monsieur le ministre président. Mevrouw Van Acht, voor een korte reactie. Ja, dank u wel. Meneer de minister-president, meneer de minister-voorzitter, voor het woord. De Raad van State was wel degelijk duidelijk dat er een mogelijke discriminatie in onze Sparadra-wetgeving stond. Wij hebben daarop gewezen, ik heb u daar al een paar keer naar achter gevraagd. Uw redenering was van wie dat voor 15 januari 2021 een dossier heeft aangevraagd, is goed ter goeder trouw en daarna is ter kwade trouw. Maar die redenering houdt dus niet geen stand. En vandaag zegt u, we gaan analyseren wat dat inhoudt. Maar ik denk dat u dat goed moet analyseren en eigenlijk vooral ook in actie schieten. Want het Grondwettelijk Hof zegt eigenlijk dat u dossiers op uw bureau laat liggen zonder correcte motivering. En dat dat eigenlijk een ongeoorloofde discriminatie is. Dus ik denk ook dat we het risico lopen dat we nog andere claims aan onze broek hebben als u die stapel op uw bureau laat liggen. Dus ik roep u op om uw verantwoordelijkheid te nemen, de dossiers goed te keuren zoals ze door de administratie gepasseerd zijn en die vergunningen af te leveren. Dank u, collega Van Achter. Monsieur de Bock. Voilà. Merci, monsieur le vice-président, pour vos réponses. Je me réjouis, en tout cas, d'entendre qu'il n'y a plus que 140 dossiers en attente. Et j'espère effectivement que l'analyse de ceci permettra au plus grand nombre, pour autant qu'ils aient les conditions, parce qu'effectivement, contrôler les conditions puissent effectivement exercer, et en tout cas, plus vite encore que l'adoption prochaine de votre projet. Et je me réjouis, en tout cas, à l'occasion de cette question posée, de l'esprit de concorde qu'il y a, en tout cas, entre le Parlement bruxellois et le gouvernement bruxellois. Monsieur Wittmann. Oui, je vous remercie. Donc, je vous aviez l'air d'être surpris quand je vous ai rappelé qu'on a quand même, par ce mécanisme-là, exclu la moitié des indépendants du secteur. Ceci dit, aujourd'hui, on parle de ceux, effectivement, qui ont une licence bruxelloise et qui voulaient introduire cette demande. Les 140 dossiers, monsieur De Bock, ce sont des dossiers qui ont déjà été analysés par Bruxelles Mobilité, qui sont juste, sauf erreur de ma part, sur la pile de la table, en tout cas, de monsieur le ministre-président. Par ailleurs, monsieur le ministre-président, sincèrement,
nécessairement autour de nous. Il y a des gens qui n'ont pas osé introduire de dossier parce qu'ils savaient précisément qu'ils ne pouvaient pas le faire et qui voulaient justement se mettre en ordre par rapport à vos nouvelles obligations d'obtenir une licence bruxelloise. À ça, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce qu'ils vont pouvoir également le faire le plus rapidement possible? Le problème, ce sera de déterminer qui n'a pas osé. Non, mais tous les... Si dans la déclaration, auriez-vous osé, si? Mais c'est pas difficile. C'est un peu compliqué juridiquement. Non, c'est pas très compliqué, monsieur le ministre-président. En fait, c'est assez simple. Mais je vais vous expliquer comment. Il suffit simplement de les encourager. Je leur demande maintenant de déposer leur dossier. Ah oui. Par tous ceux qui n'ont pas déposé leur dossier. Déposer leur dossier. Et pour autant qu'il soit complet et qu'il respecte évidemment toutes les conditions que monsieur De Blok l'a signalé, je suppose que vous allez les signer. Par ailleurs, pour les 140 qui ont déposé leur dossier pendant cette période-là, je suppose qu'ils vont être dédommagés vu les erreurs qui ont été commises. Voilà, l'incident est clos. Nous passons à présent à la question de notre collègue Martin Cazier pour sa question adressée au ministre Marron relative à l'interdiction annoncée des chaudières au gaz et au mazout dans les nouveaux bâtiments à partir de 2025 en région de Bruxelles-Capitale. Voilà. Monsieur le ministre, nous avons appris hier la décision que vous avez annoncée d'interdire les chauffages au gaz dans les nouvelles habitations et dans les habitations qui sont soumises... J'ai dit quoi ? Ah, pardon. Chaudière. En tout cas, c'est ce que la presse a relayé, et vous le préciserez dès lors, et dans les nouvelles constructions soumises à un permis d'urbanisme. Alors, c'est vrai que, pour rénovation, c'est vrai que, bien évidemment, et nous rejoignons entièrement cet enjeu-là, on sait tout le travail absolument incommensurable que nous avons devant nous pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, très singulièrement sur Bruxelles. Nous savons que la plus grande partie, une grande partie à Bruxelles, vient du bâti et tout l'enjeu qu'il y a derrière ça, et nous soutenons ce point. Mais nous savons aussi, en parallèle, l'état du bâti bruxellois. On a déjà eu l'occasion d'en discuter suffisamment en commission environnement. Et dès lors, dans ce cadre-là, on sait aussi que des permis demandés d'urbanisme pour rénover un bien ne prévoient pas toujours l'ensemble de son isolation, tout simplement parce que soit le bâti ne le permet pas, soit aussi parce qu'il s'agit simplement d'abattre un mur porteur dans une maison, et que donc on va se mettre au devant de tout un ensemble de difficultés pour les ménages les plus précarisés, ceux qui ont le moins de moyens pour engager ces frais importants de rénovation. Alors on sait que la région bruxelloise met aussi en place tout un ensemble de primes, mais il n'empêche que cela s'ajoute donc à des difficultés financières pour tout un ensemble de nos habitants. Ma question est donc très simple. Je voulais voir si vous aviez évalué aujourd'hui les besoins financiers d'aide et d'accompagnement qui seront nécessaires pour permettre à toutes les familles de faire cette transition écologique, puisque nous le savons toutes et tous, cette transition écologique n'aura de sens que si elle n'augmente pas les inégalités sociales. Ça doit être là la cœur d'un projet politique environnemental pour notre région bruxelloise. Et je reviendrai avec des questions beaucoup plus précises en commission environnement, puisque le bureau m'a transmis que j'avais trop de questions dans ma question d'actualité. J'y reviendrai donc lors d'une demande d'explication. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, monsieur Cazier. Monsieur Marron. Merci, monsieur Cazier. Ben oui, je vous propose effectivement qu'on travaille un peu sérieusement, c'est-à-dire pas sur base d'un article avec des informations approximatives, un titre erroné sur des décisions non prises. Ce n'est pas très sérieux, je pense, d'entreprendre un débat parlementaire sur ces bases-là. Donc, je vous propose de le faire sur des bonnes bases, une fois que le gouvernement aura approuvé le plan Air Climat Énergie qui est en discussion, avec l'ensemble du package, qui vise effectivement à augmenter nos ambitions climatiques et arriver à moins 47% de diminution de gaz à effet de serre d'ici 2030, mais dans un cadre de justice sociale. Et dès que nous aurons approuvé en première lecture le plan Air Climat Énergie dans les prochaines semaines, ce plan Air Climat Énergie va partir dans tout un round de concertation et de discussion. Évidemment, il pourra être présenté avec plaisir au Parlement, en commission environ, et alors avoir des discussions un petit peu sérieuses sur des bases stabilisées de décision du gouvernement. Merci, monsieur Marron. Monsieur Cazier. Oui, voilà, la réponse est claire. Peut-être juste rappeler, monsieur le ministre, que je ne suis pas responsable des articles de la presse. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un article qui me dit que c'est annoncé. Je pose une question, ça me paraît bien légitime. Mais j'ai entendu la réponse, ça s'inscrit dans une politique plus large. Eh bien, je serais très heureux d'attendre alors les conclusions du gouvernement et que nous puissions en discuter de manière holistique, comme nous en avons l'habitude en commission environnement.
Merci, Monsieur Cazier. L'incident est clos. Nu de beurt aan collega Pepijn Kennis voor zijn vraag aan de heer Vervoort en mevrouw Benamou betreffende aangekondigde begroting van 1,3 miljoen euro voor steun aan initiatieven voor tijdelijk gebruik met sociaal oogmerk van leegstaande gebouwen. U hebt het woord, meneer Kennis. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer de minister-president, de Brusselse burgerassemblée wil graag dat leegstaande gebouwen gebruikt worden en er zijn er genoeg in Brussel. Het gaat over miljoenen vierkante meters. En dat die gebruikt worden om de mensen in de grootste precariteit een dak boven het hoofd te bieden. Want zelfs wanneer kantoren bijvoorbeeld niet ideaal zijn om in te wonen, is het beter zo een dak boven je hoofd te hebben dan op straat te moeten wonen. We waren dan ook aangenaam verrast toen dat we lazen in de pers, in het recentste persbericht van 5 april, dat er een beslissing was genomen om 1,3 miljoen euro vrij te maken voor tijdelijke bezettingen met een sociaal oogmerk. Die doelstelling is lovenswaardig, want dat sociaal oogmerk dat, is maar al te vaak afwezig. Veelal worden tijdelijke gebruikprojecten opgezet om een hippe, trendy wijk te creëren of om aandacht voor een nieuwe buurt te ontwikkelen. En zeker wat overheidsgebouwen betreft is het voor ons heel belangrijk om die sociale component naar voren te brengen en vooraleer we dat soort projecten doen, mensen in precariteit een dak boven hun hoofd te bieden. Dus ik steun absoluut het idee van die financiering van projecten van tijdelijk gebruik met sociaal oogmerk, maar heb er een aantal vragen over. Ik heb hier nu niet de tijd om in veel detail te gaan, dus we zullen in commissie nog terugkomen op de verschillende organisaties, de definities van het sociaal oogmerk en de manier waarop u de organisaties heeft gekozen. Maar ik had vandaag graag al geweten voor welke projecten het bestemd zal zijn. Er is een aantal projecten dat wordt vermeld in het perscommuniqué, dus ik had graag vandaag geweten hoeveel middelen elk van die projecten zal krijgen en om welke projecten het precies gaat, om later in de discussie er verder op te kunnen komen. Alvast bedankt voor uw antwoorden en nog eens proficiat met het initiatief om dit tijdelijk gebruik een sociaal oogmerk te geven. Dank u wel. Dank u, meneer Kennis. Monsieur Vervoort. Ja, dus u stelt mij de vraag naar aanleiding van de aankondiging van de regering om 1,3 miljoen euro te investeren in tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen voor een sociaal oogmerk. Welk budget exact bestemd is, met andere woorden, welke projecten zullen wij steunen met dit budget en hoeveel middelen elk project krijgen. Sinds enkele jaren zien we in het Brussels gewest steeds vaker dat leegstaande panden worden bewoond zonder eigendomstitel of recht, met name als gevolg voor het grote tekort aan betaalbare woningen, de migratiecrisis en de voorbije maanden de COVID-19-gezondheidscrisis. Die bewoning zonder eigendomstitel of recht moet gezien worden in een context van armoede en bestaande onzekerheid, met daarbovenop gezondheids- en zelfs veiligheidsproblemen vanwege de omstandigheden waarin die bewoning plaatsvindt. Sinds het begin van de COVID-gezondheidscrisis is die vorm van bewoning toegenomen als gevolg van de beperkingen van de lockdown en het inkomensverlies dat veel mensen ondervinden. Het gaat daarbij in het bijzonder om mensen zonder verblijfsvergunning. Op 8 juli 2021 hebben de Brusselse regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een principenota aangenomen om projecten voor tijdelijke bewoning die zich lenen tot de collectieve opvang van kwetsbare groepen te ondersteunen. Daarvoor is in 2021 een totaalbedrag van 965.000 euro beschikbaar gesteld, waarmee 7 projecten konden worden ondersteund die opvang boden aan ongeveer 500 personen en gezinnen. Uit de evaluatie van de 7 projecten die in 2021 zijn ondersteund, blijkt dat dit type systeem het mogelijk maakt om waardige en veilige oplossingen te bieden aan kwetsbare groepen. Voor het beheer van deze plaatsen is het noodzakelijk dat de projecten een redelijke omvang hebben om het interne beheer van de bewoning en de harmonieuze integratie van de projecten in hun omgeving te vergemakkelijken. Het nastreven van die doelstelling is uiteraard complementair met de versterking van initiatieven om kwetsbare personen op te vangen en met de voorgang die uitgaat naar een beleid dat erop gericht is mensen in te schakelen en van de straat te halen. Met dat bedrag kunnen projecten worden ondersteund voor de tijdelijke bewoning van leegstaande gebouwen die zich lenen tot de opvang van kwetsbare groepen met een streefdoel van 700 ontvangen personen.
Het voor 2022 beschikbaar gestelde bedrag is bedoeld om de 5 projecten die in 2021 zijn ondersteund te verlengen. Ik heb de aantal projecten, maar dat is u doorgeven. En om de ondersteuning van de volgende projecten te onderzoeken, dat geef ik natuurlijk ook. De nadere regels voor de financiële tegemoetkoming van het gewest en gemeenschapscommissie zijn als volgt. Toekenning van een facultatieve subsidie om de energie- en de verzekeringkosten volledig of gedeeltelijk te dekken. Versterking van het OCMW van de gemeente waar het project wordt ontwikkeld om de toegang tot rechten en steun te vergemakkelijken. Begeleiding bij de operationele en technische formaliteiten, CityDef enzovoort. Gezondheidstoezicht. Door verwijzing van de kwetsbare personen die dat zouden wensen naar opvangstructuren, vergemakkelijking van de toegang tot energie, door via onderhandeling met de leveranciers of de eigenaar van het pand te helpen zoeken naar een contract en geschillen met de leveranciers. En om het initiatief financieel te ondersteunen, zal een subsidie worden toegekend aan de vereniging die het beheer van de bewoning verzorgt en de overeenkomst voor tijdelijk gebruik ondertekent en eventueel ook aan het OCMW. Voilà, dat zijn mijn antwoorden, meneer Kennis. Dank u, meneer de minister-president. Meneer Kennis. Ja, dank u wel voor de antwoorden, meneer de minister-president. Ik heb geen lijst van de projecten, maar die komt dan nog. Oké. Want daar ben ik wel benieuwd naar welke actoren dat dit precies gaat, omdat er redelijk wat actoren op het terrein zijn die eigenlijk uit de lucht vielen van, atja, er zijn middelen voor, waarom waren wij niet op de hoogte? Dus ik hoop dat u een contact onderhoudt met de organisaties die dit al doen op het terrein. Maar inderdaad, het is geen... verrassing dat omwille van de aanslepende woningcrisis, die verergerd wordt door een financiële crisis en dan nog eens door een covid-crisis, dat het aantal bezettingen zonder recht nog titel, zoals u ze noemt, wat ook wel kraakpanden wordt genoemd, toeneemt. Mensen zijn in zo'n wanhopige situatie dat ze niet anders meer zien als uitweg dan een leegstaand gebouw gewoon te openen en erin te gaan wonen. Uiteraard zouden zij liever in een comfortabele situatie in gewone woning betrekken. Maar voilà, ik denk dat het een goede stap is dat u deze projecten ondersteunt en dat u inderdaad ook voor de kosten die daarbij komen middelen voorziet. En ik stel voor dat we de discussie verder opnemen in de commissie als we het over de details willen hebben. Dank u wel. Dank u, meneer Kennis. Nous allons à présent passer aux questions de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Et je vais à présent céder la parole à notre collègue Véronique Lefranc. Sa question adressée à M. Vervoort, Mme Vandenbrand et M. Marron, relative au point sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en région de Bruxelles-Capitale, à laquelle est jointe la question de notre collègue Busselen, relative à Uitvoering van de Strategische Notas van de Brusselse Coördinator voor de Opvang van Oekraïnse Vluchtelingen. Madame Lefranc, vous avez la parole. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, nous sommes tous interpellés depuis bientôt 2 mois par l'arrivée dans notre région d'Ukrainiens en détresse. Alors depuis le 4 mars, le call center d'urgence a enregistré plus de 6 000 appels et également le site d'information ukraine.be a enregistré plus de 180 000 visites depuis son lancement. Alors ces deux outils permettent finalement de connaître ou avoir des informations sur l'accueil, l'enregistrement, mais également l'encadrement, mais montrent aussi les défis pour notre région. Alors j'aimerais vous poser quelques questions, Monsieur le Ministre-Président, dans la prolongation des questions qui ont été posées par ma collègue Céline Frémaux. Tout d'abord, combien de réfugiés ukrainiens sont présents à Bruxelles aujourd'hui, le chiffre exact. Combien de fois le comité de concertation s'est-il réuni et s'il y a des décisions qui ont été prises concernant la mission aussi du coordinateur Ukraine, vous aviez décidé qu'il y avait un mandat de 1 mois renouvelable 2 fois. Est-ce que vous maintenez ces délais-là au vu de l'évolution de la situation? Quel budget avez-vous finalement débloqué ou les montants alloués à cette mission? Et aussi, quel dysfonctionnement finalement ce coordinateur a pu vous faire part? Quels sont aussi les budgets qui sont dégagés pour aider les familles ukrainiennes et de quelle manière la région collabore avec les communes? On sait que certaines communes ont
annoncer des manquements, de quelle manière est-ce que le relais, la communication, la collaboration se fait avec la région. Et enfin, dernier point, la situation dramatique qui s'empire malheureusement au petit château où se trouvent des étudiants africains qui ont quitté l'Ukraine, mais qui malheureusement sont dans une situation dramatique. Je voudrais savoir quelle est l'évolution des discussions avec le fédéral. Je vous remercie. Merci, Madame Lefranc. Monsieur Butzelen, je vous cherchais. Beste collega's, al weken komen er duizenden Oekraïense vluchtelingen aan in Brussel. Het gaat vooral om vrouwen, het gaat vooral om kinderen. Zij vluchten voor oorlog. En onze opvangdiensten doen er alles aan om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Zij worden ook gesteund door honderden burgers die helpen. En ik zou dit moment ook willen aangrijpen om Françoise Romné even onder de aandacht te brengen. Deze vrouw is deze week gestorven en heeft jarenlang vluchtelingen van over heel de wereld geholpen. Het is een grote uitdaging waarvoor onze opvang diensten staan, want zij staan onder druk. Ze staan onder druk, want politiek worden er te weinig middelen vrijgegeven om genoeg opvangplaatsen te creëren. Politiek worden er te weinig middelen vrijgegeven om iets te doen aan de oorzaken en de gevolgen van armoede en van stijgende ongelijkheid. De heer Verbeer kwam deze week met een plan voor 20.000 Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Dat is een ambitieus plan. Dat is een plan, als dat wordt uitgevoerd, echt een heel goede zaak zou zijn voor onze gewest. Want het zou aantonen dat als er een politieke wil is, dat er iets kan gedaan worden aan de extreme armoede in ons gewest. Deze week was er ook een ander persbericht, namelijk dat er 330 opvangplaatsen bij SAM Sociaal werden gesloten. En dat is natuurlijk een beetje verontrustend en tegenstrijdig om te zien dat er enerzijds plaatsen sluiten en dat er anderzijds wordt aangekondigd dat we echt iets zullen doen aan extreme armoede en aan het gebrek aan opvang. Dus ik heb drie vragen. Mijn vraag is, hoe gaan we de financiering van het plan van de heer Verberen uitvoeren? Gaat u steun hebben, federaal? Tweede vraag is, die 330 plaatsen bij Samus Sociaal, gaat u financiering vrijmaken om ervoor te zorgen dat die kunnen open blijven? En een derde vraag is natuurlijk, hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen discriminatie is? Want dat is ook aangekondigd geweest, dat u zelf niet wil dat er discriminatie is tussen vluchtelingen, ongeacht van de plaats van waar ze komen. Ik dank u. Dank u, collega Butzelen. Monsieur le ministre-président. Alors, concernant les chiffres des réfugiés ukrainiens sur notre territoire, il est très difficile à ce stade de donner une réponse précise. Le dashboard élaboré par le Centre de crise nationale indique aujourd'hui 220 personnes logées dans un hébergement d'urgence à Bruxelles et 1350 personnes inscrites au registre national dans une commune bruxelloise. Évidemment, ces chiffres ne sont pas satisfaisants et nous avons des contacts permanents avec les services fédéraux pour pouvoir affiner ceux-ci. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous dire plus que ce dont nous disposons. Mais donc, tout ça démontre évidemment l'importance d'une bonne communication. Et donc, étant donné l'ampleur de cette crise, comme vous le savez, Madame Lavaux, en concertation avec moi-même et l'ensemble des bourgmestres, a actionné la phase provinciale de crise pour notre région. Ça faisait suite, évidemment, je dirais, à un état des lieux, comme je vous l'ai dit, que nous avons réalisé. Les autorités régionales entendent ainsi garantir une coordination optimale entre les différents niveaux de pouvoir, ainsi qu'une organisation cohérente des initiatives communales et régionales sur le territoire bruxellois, là où fonctionnaires réunis chaque semaine le comité de coordination avec les différentes disciplines, sans compter les nombreuses réunions ad hoc en fonction de diverses thématiques. Par ailleurs, chaque semaine, là où fonctionnaires et le coordinateur réunissent les SPOC communaux afin de faire le point de la situation et aborder tous les aspects problématiques. Dans le cadre de cette phase, la haut fonctionnaire est également tenue de mettre en œuvre une stratégie de communication vis-à-vis de la population via les moyens et canaux divers. Dans ce cadre, une plateforme d'information régionale, helpukraine.brussels, a été rapidement mise en ligne.
afin de centraliser l'ensemble de l'information. Cette plateforme est alimentée et adaptée en continu par tous les acteurs bruxellois. Cette plateforme d'information répond déjà à bon nombre de vos questionnements, et donc je vous invite, si ce n'est déjà fait, à la consulter. Ainsi, vous y trouverez notamment le texte de la note relative à la stratégie d'intégration des Ukrainiens sur notre territoire. Tout ça est, je dirais, tout à fait transparent, donc je vous invite à aller le lire, sinon ça va me prendre trop de temps pour vous répondre. L'objectif étant effectivement que cette intégration dans le tissu bruxellois puisse se faire de manière la plus harmonieuse possible. Vous y retrouverez aussi des informations sur la désignation du coordinateur, sur la mise en place d'une provision budgétaire, les relations avec les communes et CPS. Concernant l'aide financière aux communes, la région financera les communes comme le fédéral finance les CPS, et ce via une enveloppe budgétaire de 10 millions d'euros pour pouvoir soutenir les efforts d'intégration réalisés par nos communes. Par ailleurs, ce 15 avril, le gouvernement a également approuvé une note intitulée « Mise en œuvre de la stratégie d'intégration des ressortissants ukrainiens dans le tissu bruxellois, désignation des présidents des groupes de travail sectoriels et répartition des volumes ». Cette note charge, par exemple, il y en a d'autres, mais le ministre de la fonction publique d'assouplir le cadre de recrutement dans les services et organismes d'intérêt public concernés, afin de permettre aux différents départements mobilisés en réponse à cette crise de disposer de collaborateurs en suffisance. Elle charge aussi la DRH du SPRB de collecter les besoins en renfort temporaire de personnel nécessaire pour exécuter les missions de la Task Force régionale et des différents groupes de travail mis en place. De même, elle charge le ministre du Budget et des Finances à mettre en œuvre le volet budgétaire de la note. Bref, on avance. Certes, c'est progressif, mais on avance. Pour conclure, concernant votre question sur les réfugiés d'autres pays et sur la situation au Petit Château, nous portons régulièrement des situations de terrain à la connaissance des autorités fédérales, lesquelles sont compétentes en la matière. Sur cet aspect, et j'ai déjà eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises, il n'est pas question de traiter différemment les réfugiés qui demandent asile en Belgique. Et à cet égard, et afin de fluidifier l'information lors des réunions hebdomadaires avec les instances communales, les hauts fonctionnaires et le coordinateur ont invité les représentants des administrations fédérales en charge des questions de l'accueil des réfugiés. Le dialogue est bien établi et, évidemment, je propose, mais j'ai déjà dit, je pense que j'avais dit en commission, ce serait intéressant que la commission ad hoc puisse entendre le coordinateur en charge de l'accueil afin qu'il puisse exposer, franchement, pour une question d'actualité, je trouve que c'est un peu frustrant, mais donc qu'il puisse y avoir une audition du coordinateur en commission. Meneer Busselen, ik kan u met betrekking tot uw vraag het volgende antwoorden. Het is voorbarig om cijfers te verbinden aan de begrotingsinspanning die van het gewest en de GGC gevraagd zal worden. Daarom moet een provisie worden aangelegd in de begroting om de verschillende diensten een signaal te kunnen geven. De provisie bedraagt 100 miljoen euro. Op 2 maart 2022 publiceerde de Europese Commissie een mededeling waarin zij de lidstaten algemene richtsnoeren verschaft voor hun begrotingsbeleid. In haar mededeling schetst de Commissie de macro-economische context. De algemene ontsnappingsclausule, escape clause, blijft gelden in 2022, maar op basis van de economische prognoses van de winter zouden zij met ingang van het begrotingsjaar 2023 gedesactiveerd moeten worden. Dit betekent dat de uitzonderlijke uitgaven naar aanleiding van de geopolitieke conflict in Oekraïne, met inbegrip van de uitzonderlijke uitgaven voor de opvang van de mensen die de oorlog ontvluchten, buiten het structurele kader kunnen worden gehouden. Het mechanisme zal verschillen van de zogenoemde coronamaatregelen met activering van de GEC voor de periode 2022. De zware posten zijn uiteraard de gezinsbijslag, huisvesting, steun aan de gemeente, tewerkstelling en gezondheid. Deze middelen moeten ervoor zorgen dat de Oekraïners met een tijdelijk beschermingsstatuut de kans krijgen deel te nemen en bij te dragen aan het Brussels leven. De return die het gewest verwacht moet worden uitgedrukt in algemeen welzijn en sociale cohesie. Ik dank u. Dank u, meneer de minister-president. Madame Lefranc, j'allais dire Lefranc. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre-président, effectivement, la réponse me laisse un peu frustrée. S'il vous plaît.
parce que effectivement, je pense qu'il est essentiel ou assez rapidement d'avoir une audition du coordinateur pour pouvoir répondre en détail à toutes les questions, surtout que je n'ai pas eu des réponses quant au mandat du coordinateur, est-ce qu'il va être prolongé ou pas, et les montants alloués. Alors j'entends bien qu'il y a un espace où on peut trouver toutes des informations, mais ça reste la méthodologie. Moi, mes questions étaient essentiellement liées à la pratique. Aujourd'hui, il y a eu des couacs déjà dans l'accueil. On sait qu'il manque 6000 logements, 5000 places dans les écoles. On attend 200 000 réfugiés. Il n'y en a que 35 000 pour le moment en Belgique. Et déjà, nous sommes dans des difficultés énormes en termes de logement. Donc, permettez-moi d'être inquiète sur la situation et de craindre la manière avec laquelle on va gérer cette crise. Et puis, un dernier point concernant les réfugiés ukrainiens ou les étudiants ukrainiens africains qui sont venus d'Ukraine. On est quand même dans une situation qui est inacceptable politiquement et humainement, mais ça, il en revient au fédéral de prendre aussi ses responsabilités. Je vous remercie, monsieur. Merci, madame Lefranc. Meneer Busselen. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik denk ook dat er een hoorzitting nodig is om hier verder op in te gaan. Het gaat over heel veel informatie die we net hebben gekregen. Ik hoor dat er een provisie wordt vrijgemaakt, dus dat is positief. Van 100 miljoen euro, hè. Dat is wat meneer Verbeera naar voren schuift. Ik heb niet direct een antwoord gehad op de 330 bedden over Samos Sociaal. En dan verder, ja, toch maak ik mij ook zorgen. Hè. Er slapen enorm veel mensen op straat, we zien dat. Er slapen enorm veel mensen in de squats in de stad. En dus mijn vrees is dat er eigenlijk van alles wordt aangekondigd waar we niet aan kunnen gaan voldoen. En dat creëert verwachtingen die niet kunnen ingelost worden. En dat is, denk ik, het laatste wat u nodig heeft. Ik dank u. Dank u, collega Busselen. Voilà, l'incident est clos. Ceci clôture notre séance d'actualité. Je vais suspendre la séance durant 5 petites minutes, puisque l'un ou l'autre collègue a demandé un petit peu de temps. Ils sont en train de nous rejoindre. Et puis, nous passerons au vote. Donc, petite suspension de séance. Bien, chers collègues.
Puis-je vous demander de regagner vos bancs ? Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution relative au remboursement de frais non encourus dans le cadre du logement étudiant et à la nécessité d'une politique sociale pour les étudiants en situation de précarité, document A228-1 et 2. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Je vais attendre que les collègues s'installent. Alors, j'en profite pour rappeler que ceux qui sont pour le rejet de la proposition de résolution votent oui, puisque les conclusions de la commission en proposent le rejet. Monsieur Tally, est-ce que vous voulez bien reprendre votre banc, parce que nous allons commencer à voter. Merci. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. Fin du vote. 75 membres ont pris part. 74 membres ont pris part au vote. 22 abstentions, oui, non. 44 oui. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution visant à ne pas céder une partie du terrain des Dames Blanches à la commune de Woluwe-Saint-Pierre et à augmenter le nombre de logements sociaux à construire. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 75 membres ont pris part au vote. 54 oui, 21 non, aucune abstention. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique révisée, faite à Rotterdam le 30 janvier 2017. Y a-t-il une demande d'explication de vote ? Je n'en vois pas. Il est procédé au vote. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 75 membres ont pris part au vote. 65 oui, 0 non, 10 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment au protocole numéro 3 à la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatifs aux groupements euro-régionaux de coopération fait à Utrecht le 16 novembre 2009. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Il est procédé au vote. Début du vote. Je vais intervenir après. Monsieur le Président, comme je suis un chef de groupe apprenti et qu'on me parlait en même temps, j'ai suivi les notes qu'on m'a données et je me suis trompé sur le deuxième vote. J'aurais dû suivre la proposition de rejet. C'est vrai que pour un jeune député, je donc peux comprendre. Pour un jeune député, je plaide vraiment le... Allez, puisque vous êtes un jeune la député, on vous excuse. C'est très gentil. On corrigera donc. On le corrigera pour le rapport. Et j'ai été même soutenu par la plupart des chefs de groupe de la majorité, donc j'ai vraiment très, très... On comptait sur votre soutien pour les Dames Blanches. Ça fait un malheureux du... Ça fait un malheureux à ma gauche. Alors, nous en étions donc au vote sur la convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière. Et je dois donc annoncer les résultats. 75 membres ont pris part au vote, 10 abstentions, 0 non, 65 oui. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement.
L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment au protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, fait à Utrecht le 16 novembre 2009. C'est le texte A467-1 et 2. Vous avez bien regardé, monsieur De Wolf ? Alors, y a-t-il des demandes pour une explication de vote ? Je n'en vois pas. Il est procédé au vote. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Fin de vote. Eh bien, c'est facile. 76 membres ont pris part au vote. 76 oui. En conséquence, le Parlement adopte à l'unanimité le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics, fait à Tromsø le 18 juin 2009. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Fin du vote. 76 membres ont pris part au vote. 67 oui, 0 non, 9 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment au protocole d'amendement modernisant la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, fait à Strasbourg le 29 octobre 2018. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas. Début du vote. Fin du vote. 76 membres ont pris part au vote, 66 oui, 10 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matchs de football et autres manifestations sportives faites à Saint-Denis le 3 juillet 2016. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas. Début du vote. Chacun a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Chacun a-t-il voté ? Fin du vote. 76 membres ont pris part au vote, 66 oui, 10 abstentions, 0 non. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. Alors, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, faite à Strasbourg le 27 septembre 2012. Pas d'explication de vote. Début du vote. Chacun a-t-il voté ? Fin du vote. 76 membres ont pris part au vote, 66 oui, 10 abstentions. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la communauté flamande, de la communauté française, de la communauté germanophone, de la région flamande, de la région wallonne, de la région Bruxelles-Capitale, et le gouvernement de la République française en matière de transfert de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Je n'en vois pas. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Fin du vote.
76 membres ont pris part au vote, 75 oui, une abstention. En conséquence, le Parlement adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du gouvernement. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution relative au rétablissement des termes Journée du patrimoine et Open Monumenten Dagen. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Donc toujours même principe, ceux qui sont pour le rejet de la résolution votent oui. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Tout le monde a-t-il vérifié son vote ? Tout le monde a-t-il voté ? Fin du vote. 74 membres ont pris part au vote, 59 oui, 14 non, une abstention. En conséquence, le Parlement adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Nous passons à présent au vote de l'Assemblée réunie de la commission communautaire commune. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution visant à remédier aux infractions persistantes à la législation linguistique dans les nominations au sein des CPS de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Nous appliquons évidemment l'article 91.4 sur les doubles majorités. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Y a-t-il des demandes d'explication ? Même principe, ceux qui sont contre votent oui. Début du vote. Ah. Voilà. Là, ça va. Alors, est-ce qu'on peut me mettre à l'écran, ici, sur le petit écran, les résultats du vote ? Parce que là, j'ai l'écran avec l'hémicycle. Chacun a-t-il vérifié son vote ? Est-ce qu'on peut me mettre à l'écran le... Est-ce qu'on peut me mettre sur cet écran-ci les résultats du vote ? Parce que j'ai l'hémicycle, et c'est joli, il y a plein de petits points rouges, verts, et... mais je ne vais pas m'amuser à les compter, voyez-vous. Oui, vous êtes sûr ? 69 pour. 61 pour. 5 contre. 10 abstentions. Il y a double majorité ? La double majorité est dedans ? Oui, oui. Bon, il y a donc 76 membres qui ont voté. Bon, c'est à l'ancienne, je fais mes petits calculs mentaux. Donc, 61 plus 5 plus 10, je retiens 2, j'enlève 4. Voilà. Merci les amis de la technique, j'ai pu démontrer que je sais calculer mentalement. Donc, 76 membres ont pris part au vote, 61 oui, 5 non et 10 abstentions. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution relative à un accès direct à des protections hygiéniques gratuites. Nous passons au vote sur les conclusions de la commission. Début du vote. Ah ouais. Tu vois, c'est ça que j'ai à l'écran. Oui, fin du vote. 76 membres ont pris part au vote. 63 oui, 13 non, 0 abstention. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. Meneer de voorzitter, mag ik mijn stem verklaren, alstublieft? Elle s'est abstenue? Ah, vous avez voté contre aussi.
Ja, omdat ik vind on dat... ne justifie pas, on ne justifie pas une, un vote contre. On ne justifie qu'une abstention. L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur les conclusions de la commission tendant au rejet de la proposition de résolution visant à renforcer l'aide alimentaire en région bruxelloise. Ceux qui sont pour le rejet votent oui, puisque les conclusions en proposent le rejet. Début du vote. Chacun a-t-il voté? Chacun a-t-il vérifié son vote? Fin du vote. Alors, 76 membres ont pris part au vote. 55 oui, 8 non, 13 abstentions. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte les conclusions de la commission tendant à rejeter la proposition de résolution. C'est le dernier vote, hein. Voilà, chers collègues, les votes se terminent. La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune est close. Prochaine séance plénière sur convocation du président. Bon week-end à toutes et à tous.